Ragnar Lothbrok lies dead in the Northumbrian dirt. Veins choked with Anglo-Saxon wrath and viper's venom. Revenge was swift. His sons laid waste to the British Isles, splintering the land and slaughtering all who opposed them. The Viking horde swept west. An insatiable force. Et re les amis, donc désolé, hein, la première session de la bataille de York a crashé pour je ne sais quelle raison, j'avais eu aucun souci, et d'un coup le jeu a décidé de faire de la merde et de planter. Donc on va recommencer cette bataille. J'espère que ce soir il ne va pas y avoir d'autres plantages ou je ne sais quoi. Donc la sécurité qu'on va faire, c'est sauvegarder le plus régulièrement possible. Alors on va reprendre l'introduction de la bataille de York en l'an 865, soit 13 ans avant le début de la campagne de Throne of Total War Saga Throne of Britannia. York. Si les Anglais pensaient que les attaques vikings allaient prendre fin avec Ragnar Lodbrok, ils ont eu tort. Dirigés par les Ragnarsson, les drakkar vikings continuent de mettre le cap sur l'Angleterre. Toutefois, ils ne viennent plus en simples pillards, mais en conquérants, déchaînant la fureur de la grande armée païenne sur les îles britanniques. Dans ce scénario, vous incarnez les vikings. C'est parti! Des cris approbateurs retentissent dans la halle suite aux paroles des fils de Ragnar. Des corbeaux volent, porteurs de bonnes nouvelles pour les Ases. Quelques instants plus tard, des éclairs jaillissent et le tonnerre gronde, confirmant l'aval des dieux. Quelques jours plus tard, la réunion commence. Rois, jarls, guerriers et gens ordinaires se rassemblent, déterminés à se venger du roi Hael de Northumbrie pour le meurtre abject de Ragnar. Ivar, l'un des fils de Ragnar, s'est juré de graver l'aigle de sang sur Hael en représailles. Le spectacle est incroyable. Des centaines de drakkar avec à leur bord une armée de nordiques et plusieurs mois de provisions. Les Valkyries observent, car elles amèneront bientôt dans la halle d'Odin les valeureux guerriers tombés au combat. Les fils de Ragnar abordent un petit groupe de guerriers et leur confient une mission cruciale. Explorer les îles britanniques et établir un camp. Lorsque l'armée arrivera, il lui faudra une base sécurisée d'où elle pourra attaquer les royaumes anglo-saxons dominant le continent britannique. Thor est content. La mer calme et les vents favorables permettent aux drakkar de passer sereinement la mer du Nord. Tandis qu'ils approchent d'York, siège de la Northumbrie, le bruit de la mer se mêle au son des haches qu'on aiguise. Les Skalds se préparent à composer les vers d'une saga qui traversera les âges. Et c'est parti pour la baston. Il est temps de piller ces îles britanniques qui ne demandent que ça, et leur richesse nous tend de les bras. Ah là là, on est parti pour commencer, donc on va falloir, il va falloir faire attention. Hein. Sur mon PC, on dirait qu'il a pris un coup de vieux dans la gueule d'un coup, c'est assez drôle. Alors, on va attendre les instructions. Voici notre cible, la cité fortifiée d'York. Nous devons trouver un lieu sûr où débarquer et attendre l'arrivée de nos frères avant de partir ensemble en quête du Valhalla. Monseigneur, nous avons exploré les îles britanniques. Odin, dans toute sa clairvoyance, nous a révélé divers sites où établir un camp. Hâtons-nous de débarquer. Notre présence doit rester discrète, pour l'instant. On repart sur l'île de Man. Oui, c'est la deuxième session pour ceux qui viennent de débarquer. On va partir sur l'île de Man pour sécuriser la position. Reloubou, et bienvenue à toi pour cette seconde essai. Je vais tout de suite enregistrer, hein, on ne sait jamais.
Je retourne sur l'île de Man, cette fois j'essaie de faire un meilleur départ en sauvegardant toutes mes unités. Les Cosses, on y arrive. Ouais, je vais faire ça au bout. Dès que j'aurai établi mon camp sur l'île de Man, je ferai ma seconde sauvegarde. Tiens, je suis un peu dégoûté. À cause de ce crash, j'aurais pensé faire la deuxième bataille, mais bon, je pourrais pas la faire avant demain au moins, malheureusement. Donc ça m'ennuie un peu. Là, mon plan, ça va être d'essayer de vous faire demain la bataille de Hongofo machin chouette. Et il faudra en faire une autre. Donc ça sera peut-être la bataille de l'an 1000. Et mon micro qui se casse la gueule parce qu'il a pas envie de tenir. C'est incroyable, ce soir, il n'y a rien. Mais alors, rien du tout qui va. Il y a des jours avec et des jours sans, comme dirait l'autre. Désolé pour le boucan. Je l'ai bien fixé. Ouais, c'est Yakishi, tout c'est le jeu qui avait pas envie que je gagne aussi. Hein. Et le pire, je pense que si en Irlande, je débarquais complètement, les 50 000 pièces d'or, je les avais aise, hein, je suis sûr. Et j'étais en train de récupérer des reliques. Par contre, l'erreur que j'ai fait dans la première session, c'est que je suis pas allé récupérer cette relique près d'York. Je vais tenter de rattraper ça une fois que j'aurai les technologies nécessaires. Et les moines, comme ça on sera peinard. Donc on va longer la gauche. Ah évidemment. Essaye de me casser les couilles toi. Ok. Allez, hop, les deux premières victimes, bam. Allez, encore un autre passage. Bon, après, maintenant que j'ai la marche à suivre, j'ai peut-être ma stratégie. Hein. En vrai, on peut tellement. Pour moi, en fait, le bout, j'estime que le départ de l'île de Man, c'est l'un des meilleurs, tout simplement, parce que tu peux avoir vite ta base, t'as un château pour te défendre, et tu peux vite rusher H château, H feu, H impérial. C'est pour ça que j'ai pris ce départ là. Pour les autres diront que c'est pas le départ le plus rapide, certes, mais je pense qu'en termes de potentiel, c'est l'un des meilleurs. En Écosse, t'es trop vulnérable, surtout t'as Wissek qui va venir vite venir t'emmerder. D'où mon choix, quoi. Ouais, bah voilà, tu gagnes 652 pierres. C'est quand même pas rien, j'ai envie de dire 652 pierres. Alors on vous parle. Par contre, j'ai peut-être une idée au nord. Avant de débarquer mes hommes. Je vais voir si Moine il est attiré. Je vais commencer par péter cette tour fortifiée. Le premier lancier qui tombe.
jouer ici. On va essayer de provoquer nos adversaires. C'est nos troupes à distance, ceux-là. Ok, on va tenter un truc. Vite. Bien joué, vite, repliez-vous. Vous vous pointez. Bien joué ici. Bon, là, le départ est un petit peu mieux dans le sens où on a les 6 soldats présents. Enfin, c'est pas un objectif prioritaire, le bout. C'est un objectif secondaire, donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant. S'il le mentionne, je pars du principe que c'est pas pour rien, quoi. Damnation. Ce monastère ne contient ni trésor ni relique. Mais ce promontoire est l'endroit idéal pour un château. Bah, on va tout de suite le bâtir, notre château. Avec nos autres gars. On va vite virer sport des royaumes d'Irlande. Et si on avait deux unités d'infanterie, ça aurait été drôle, tiens. Voilà, les gars. Dites donc, monsieur, là, vous pourriez participer à la construction, non? Encore un qui ronfle, hein. Comme si on en avait déjà pas assez. En plus, je suis un peu en retard pour le bout parce que j'ai aussi revérifié les fichiers du jeu, donc c'est pas un problème de fichier, quoi. Ouais, le forum, on va le remettre là, il était bien placé tout à l'heure. Comme ça, je fous l'infanterie à l'intérieur. Ok. C'est parti. Bien. Je vais commencer à enregistrer une seconde fois parce que je me méfie. Je vais vérifier quelque chose dans mes graphismes avant. Ouais, particules O, ouais. Je vais peut-être juste descendre une particule en moyen, on va voir ce que ça donne. Éclairage de la carte, je m'en fiche. L'anticrénelage, pourquoi pas. Le foufou va bientôt être prêt. Terminé. Rassemblez nos forces vite. Bientôt les navires de nos frères arriveront et nous abreuverons nos haches de sang saxon. Je vais développer ça et l'archerie. Par contre, je vais développer aussi mes ports tout de suite pour être tranquille.
touche à Schmitter. Je te dis de faire deux navires de pêche. Billac. Red. Altilagi. Timberhoch. Leitimafer. Ja. Billac. Leitimafer. Voilà. Wachos. Red. Ja. Leitimafer. Ho. Red. Timberhochwandi. Je vais programmer un autre navire de pêche ici et là. Comme ça, ce sera déjà ça de prix. Ok, on a plus de. On a plus de population. Ok, bon, bah, on va mettre les maisons là. On a assez de bois, on va passer tout de suite à l'or. Schmitter. Puin. Ok, on n'a plus de chasseurs. On va rajouter deux villageois par-ci par-là. Lui, il va venir là. Je re-sauvegarderai une fois que l'armée viking elle aura débarqué. Who shall Schmitter? Deux maisons de plus pour augmenter la taille de pop. Ensuite, juste un dernier village pour le bois, ça devrait suffire. Développer le renouvellement automatique des fermes pour plus tard. H des châteaux programmés. Plus de pierres. Plus d'or, pardon. Et là, je vais pas faire l'erreur de développer une seconde base comme ça. Hein. Sachant qu'on a tout simplement parce qu'on a l'armée viking qui va arriver. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Je vais faire réparer mes navires. Bergmatter. Queen. Nama Matter. Ok, on est pas mal, on est pas mal. L'infanterie elle est en haut au château, s'il y a un débarquement, bah. Salut Under Romain, bienvenue à toi, comment vas-tu? Tu arrives pour le début de cette seconde tentative, puisque la première fois, bah.
La mission avait crashé, donc je vais être un peu en retard dans mes VOD, mais c'est pas vrai. Il y a déjà la bataille de Tours qui est prête pour la semaine prochaine, et en espérant que celle-ci ne crache pas nous. Donc on ferait déjà 2 sur les 4 que j'aimerais. Sinon je vais pousser un peu plus tard le stream exceptionnellement. Je pense pas que ça vous déplaira, mais on est parti. Parfait. Donc on est à l'âge des châteaux. J'ai déjà programmé l'université et le monastère. Même si on a déjà le château, mais c'est juste pour avoir les bâtiments qu'il me faut. Donc, je développe ça. La flèche à poinçon pour nos dracars. Ça va, Imhotep. Hein. J'étais juste un peu blasé à cause du jeu qui m'a planté dans les pattes, mais bon. Le reste, tout va bien. Tout de suite on développe balistique, comme ça nos navires, une fois que nos renforts arriveront, ça va piquer. Oui, Underoma, civilisation viking, absolument. Très bonne civilisation hybride, armée de terre et navale. Okay, d'ailleurs, je vais former peut-être quelques villageois. Et je vais faire quelques maisons supplémentaires, genre ici. Et j'ai programmé déjà 2-3 moines pour commencer. Une minute 49 heure d'arrivée viking. Oui, AO2 France, ils ont une bonne équipe. Hein. Ils ont Cito, ils ont Barney. Ils ont Clément aussi, je crois, qui sont des top joueurs français. Il me semble que Cito, c'est numéro 1 français de mémoire. Donc on a des moines, un moine de près déjà. Donc on vient là. Ouais, ils font des bonnes choses, hein. Ils font de très très bonnes choses. Là on retourne au B. Bon là on est un peu loin encore, mais ça devrait pas tarder. Les prêtres sont prêts. Ouais. Franchement c'est un très bon joueur, je trouve. C'est quelqu'un qui est très pédagogue. Là, regardez la mer. Coucou. Ça a été le début des ennuis pour certains, je dis ça, je dis rien. Il y en a encore combien là? 40 navires les gars. Alors on va garder le même objectif, hein, les 50 000 pièces d'or de pillage. Vous êtes prêts? Et je suis même prêt, donc le bout était là tout à l'heure, mais je sais pas si vous l'avez entendu, donc Under. Et je vais essayer de retrouver le trailer 3 fois Britannia en anglais. Et je vais le mettre en intro de la vidéo. Je pense que ça pourrait bien coller, même s'il y a 13 ans d'écart, mais ça pourrait être marrant. On va commencer à pied ici. Franchement, le trailer britannique collerait bien là. Par contre, je vais faire gaffe pour le monastère. Là, je suis même pas encore full upgrade et je fais déjà tout ça de DPS. Attention le moine. Allez. On est reparti pour piller des villes. Ok, attention aussi. Alors là, il y en a 6 qui font plus rien, donc ce sont les villageois de tout à l'heure, ok. Et je vais tout de suite passer à l'âge suivant. Comme ça, à l'âge impérial, on aura tout ce qu'il nous faut.
Ok, on a récupéré 700 pièces d'or. Deux de nos adversaires sont passés à l'âge, aux âges suivants. Parfait. On récupère déjà 1700 pièces d'or, ce qui est un très bon début. Et là, on va avoir bientôt les ressources nécessaires pour avoir les deux technologies ultimes pour nos drakkars, donc chimie plus 1 d'attaque et brassard plus 1 de portée d'attaque. Là, nos drakkars seront quasiment invulnérables. Je vais essayer d'envoyer tout de suite un de mes transports là avec mes moines, je vais récupérer cette relique. Voilà, merci d'être passé, c'était un plaisir. Regardez cette tour à distance, tiens. Donc là, hop, ils ont déjà tout chassé. Ouais, vache. Il nous reste encore des trucs là. Donc là, je garde juste un œil sur ma relique. Quoi. Je vais laisser une poignée de drakkars surveiller. Ça va venir, Under. J'en ai déjà tué un. Ok, on a déjà deux autres qui font plus rien. Donc là, je suis en train de chasser les derniers cerfs. Tu vois, c'est juste pour tranquille. Quoi. On va surveiller l'eau. Là par contre, je vais essayer de sécuriser ce passage le plus vite possible. Ça permettra à nos drakkars de passer. Quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, chimie et brassard. Oh là là, attention les navires. Deux qui font rien là. Ok, on va mettre une tour ici et je vais placer une autre tour là-bas et je vais améliorer mes bâtiments déjà. Ouh là là, et mes drakkars ici, je vois pas qu'ils tombent bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'en ai perdu 5 hein. Et ces tours fortifiés peuvent se régénérer, sinon c'est pas drôle non plus. Et là, on va aller chercher ce sanglier, là, ce petit sanglier ici. Ouh là là, attention. Mon navire, tu reviens là. Allez, on rase ces petits ports. Ouais, on a plus que 47 000 thunes à aller chercher. Yeah! Je vais également chercher la conscription, comme ça on sera tranquille. Il y a encore des. Oh, il y a une autre église là-bas, on pourrait aller la récupérer. Ça pourrait être rentable de récupérer deux reliques d'un coup. On va le tenter, hein. C'est juste qu'on va pas trouver sur un château. La conscription, c'est nickel.
Je vais développer mes fers un peu plus tard. Ok, là mon dracar tout mieux, mais mon dracar se n'y arrivera pas malheureusement. Je vais développer. Ah oui, ils sont en train de me taper là où il faut. Ok, ça c'est bien. Projectile en feu. Et je vais faire aussi comment ça s'appelle, maçonnerie, ça va augmenter la défense de mes bâtiments. Et là, on s'en va. Là, il y en a 11 qui font quoi. Bien, wow. Okay. Ok, là, c'est bon. Je vais en rajouter 2 ici. Et il y en a 5 là, parce qu'il n'y a plus de pierre. Ok. Ouais. On fait gaffe. On va essayer de contourner. Je vais juste raser les défenses de cette tour là juste par sécurité. Attention au château là-bas. Ok, là c'est bien joué tout ça. On va pousser. Hein. Là je vais juste raser ce port là pour être tranquille quoi. Juste raser ce tour, ça devrait être pas mal. Voilà, encore un navire en moins. Cette tour là, elle fait le boulot. Le sud, c'est nickel. Les ports au nord sont bien défendus. Je vais attendre de voir pour faire la tech au nord. Bon, ok. On avance. Ouais, je sais, c'est pas très passionnant, hein, mais bon. On a les meilleurs navires du jeu à l'époque, on va en profiter. Ah, il y a un marché, là. Moi, je crois qu'on va les servir. Les marchés rapportent de l'or, je rappelle, bien sûr, pour le pillage. Donc là, on n'a plus rien. En attendant, on va exploiter nos ressources en bois. Ensuite, voilà toi. Merci. Oui, il s'est fait doucher, mais assez salement, quoi. Oh là là, attention, navire de l'Est en vue. On va raser ce marché, on va se tirer, je pense. Allez. Allez, 700 pièces d'or.
Parfait, encore une bâtiment qui tombe ici. On va aller piller ce monastère estanglien. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh punaise! Oh, ils ont un château. Bon, on peut le raser à distance. Hein. On va tenter de péter comme ça à distance. Je pense qu'il y a la capacité pour. Ils ont 9 d'attaque, mais on a 10. Bonsoir Thanos, bienvenue à toi. Comment vas-tu, l'ami? Bienvenue pour la bataille de York, 13 ans avant le début de Throne of Britannia sur Age of 2, définitive édition. Et nous jouons les Vikings, qui sont établis sur l'île de Man. J'ai fait ce choix, un choix assez audacieux, puisque c'est une position centrale, je suis entre l'Irlande et les îles britanniques. Ça va, bon, en week-end, je fais ma deuxième tentative là parce que j'ai craché la première fois. Je vais quand même enregistrer un peu plus souvent. Et merci à Loubou de sa grande sagesse. Là, nos tours, elles vont bien tanker, là. Et je peux encore les rendre plus tanky si je veux. Bah, je vais le faire. Je vais aussi développer les meurtrières et la grue à poulie. Donc là, en gros, les Vikings, là, ce sont les fils de Ragnar Lodbrok, hein, qui ont décidé de lancer une vengeance contre le roi Harald de Northumbrie après le meurtre de leur père. Et apparemment, les deux fils ont juré de faire subir le châtiment de l'aigle de sang. Donc certains connaissent peut-être, il s'agit d'une méthode de torture ou rituel, je ne sais plus trop exactement. Je pense qu'il y a une sorte d'écartèlement des côtes, du squelette. Et, si ça vous intéresse, il y a des images. Hein, donc. Si vous avez le cœur bien accroché, allez jeter un oeil. Voilà. Et au fait, Thanos, j'ai eu une bonne nouvelle la semaine passée, c'est que mon contrat à mon boulot a été prolongé. 1000 pièces d'or, je prends. Scorpion jaune de merde, dégage. Merci. Très bien joué. Ouais, je pense qu'il me semble que dans la série Vikings, il me semble que, comment ça s'appelle, que les règles de sang est pratiquée, ils l'ont montré. Et je suis plus sûr à 100% de ce côté-là, mais à vérifier. Bon, on récupère déjà 2 reliques, ce qui est très bien. Nos navires, là, comment ça se passe? Je vais développer ça. Et dès que possible, je développe la cale sèche pour augmenter la vitesse de déplacement de nos navires. Je vais y arriver. Par contre, juste avant de partir, j'aimerais juste raser cette petite base. Pour le principe. Je pense que je dois faire de la réparation de vaisseau également. Je pense qu'une cinquantaine de drakkars, ça peut faire très très mal. Pas forcément Thanos, j'ai plusieurs objectifs. Et je suis parti sur un objectif qui peut être... Qui peut être assez classique, c'est du pillage. Je vais essayer de piller 50 000 pièces d'or ici. Par contre là, il y a du people d'un coup. Bonjour messieurs. Voilà, ça c'est plié, ça c'est fini. Donc après, j'ai quoi comme objectif? Construire une merveille sur le site du palais de York, accumuler, capturer 15 reliques, 50 000 pièces d'or, 5 ennemis vaincus. Le militaire pour moi c'est trop long, j'ai envie de partir. Bon, ça sera un peu plus long aussi, mais sur les 50 000 pièces d'or, je pense que c'est largement faisable. Puis bon, j'ai les meilleurs navires du jeu, donc je pense que là-dessus... Je suis pas trop inquiet quoi. Par contre j'ai perdu 2 navires de pêche ici. Pas mal du tout. On est plutôt en bonne position. Donc là notre score est en train de monter en puissance. Et là on va ramener nos navires.
J'ai développé la conscription ou pas? Je l'ai débloqué. Je vais aussi faire ça dès que possible. Les arrières de siège pour notre aide, ça va être très important. Je vais faire un marché parce que je peux en faire un. C'est pas mal. Ok. Donc déjà on va revenir avec deux bonnes reliques. Ça c'est cool. Et ces reliques vont nous gérer un peu d'or. Donc 2 points d'or à la seconde, c'est vraiment intéressant. Ah oui, l'ingénieur de siège, je vais le débloquer. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, dès qu'on aura quelques trèbles, on pourra commencer à taper de loin, quoi. Surtout que je l'avais fait tout à l'heure. Donc là, c'est l'Écosse. Je pense qu'on se rapproche progressivement des îles hybrides, pardon, pour y arriver. Regardez-moi la vitesse de ces drakkars, quoi. Bon, là, les bâtiments vont pas résister, hein. Allez. On pille. J'armais ce navire. Allez, hop. Deux seuls, on aura vu une maison. Hein. Ok. Les navires subissent de gros dégâts grâce au tour, hein, bien sûr. Ouais, ouais, à mon avis, ils ont été rehaussés hein, pour ce scénario, à titre exceptionnel. Après, dis-toi que j'en ai une trentaine, là, en masse, donc ça fait bobo, effectivement. 33. 33 et 5. Ça fait 38, 39, 40. Lui, je vais le réparer parce qu'il a souffert, le pauvre. J'ai encore développé mes technologies pour les fermes, je vais y arriver. Par contre là sur l'île de Man, on va bientôt plus avoir de ressources. Je vais revendre un peu de bois. Je pense que là on est plutôt pas mal. Hein. Donc, ça fera grimper un peu d'or aussi. Hein. Donc ça compte. Ok, on est bien, on va avancer. Je vais envoyer mon groupe de drakkars ici, comme c'est encore le joueur vert là. Mon but ça va être de piller ces tours et de raser quoi. Après pour moi je pense qu'ils sont très efficaces et le fait que les navires tirent des flèches c'est tellement OP ça. Après ils sont full upgrade Thanos, hein. Les Vikings ont toutes les améliorations des flèches, en plus la chimie, et ils ont une bonne amélioration concernant l'armure des navires, ce genre de choses quoi. Et là encore dis-toi que j'ai même pas lancé d'assaut terrestre. Hein. Je vais essayer d'imaginer si j'arrivais à avoir des troupes assez efficaces niveau terrestre, ça pourrait être très très dangereux. On va raser. On a déjà rangé le forum, donc ça nous rapportait de l'argent logiquement. 2000. Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire, le bout.
Mais je récupère d'abord de l'or en route, tu vois. On récupère encore 700. On est pas mal. On est pas mal. Ouais, ça va être bien le boulot, effectivement. Là j'ai moins. Je pense que je me suis mieux démerdé pour ce scénario. J'aurais plus pleuré, excusez-moi ça. Ouais, on va essayer de démolir le château là, je pense qu'il y a moyen. Je vais juste d'abord envoyer des dracars juste pour nettoyer juste ces tours là. Pour sécuriser le passage pour mon transport et après go quoi. Rien qui fait plus rien. Donc on va passer. Attention, prêtre en vue. Ah, j'ai encore perdu un dracard, dommage. C'est pas mal. Dans le doute, je vais quand même faire une seconde tour. Comme ça, là, on aura une bonne couverture au sud. Putain, par contre, j'ai complètement exploité l'île de Man. Hein. Oh. Bon, on va faire gaffe, on va continuer de raser. Ah, ils sont en guerre entre eux, l'IA, je savais pas ça. Tant mieux d'un autre côté qu'une guerre. S'ils s'entretuent, moi ça m'arrange. Hein. Allez, encore un moins. J'ai combien de dracas ici? J'en ai 8. Je vais reformer 2 de plus. J'ai développé ça pour mes châteaux. Je vais tout de suite aller déposer mes 2 reliques déjà. Ce sera le début. Après, je repartirai avec ces 10 dracars en supplément. Ça nous fera une grosse. Ça, on va revenir à nos effectifs finitions, dracars. Et là, ça va taper sévère. Ouais, on va éviter de taper ça. On va pas éviter. On va perdre du temps sinon. Là, voilà la petite île en question. Je rase juste les ports là, il y en a 3 à raser le château avec. Oh oui, tu tentais une invasion toi, carrément. Très beau travail. Là-bas. Toi, tu vas venir là. J'ai pas encore développé le bois à fond, on va le faire tout de suite. Ça c'est fait, on va juste raser cette tour là. Ça c'est bien.
Et je vais essayer de prendre le contrôle vite fait de l'île. Ils vous disent, vous vous pointez. Ouh, ils sont nombreux ici, dites-moi. Vous êtes combien dans votre armure? Parfait. On va taper le ch... Oh, il y a encore des tours sérieux. Alors, on a de la chance, les défenses sont pas améliorées à fond. On va commencer à taper le château. Je vais faire le tour avec cette section là. Pouin. Je vais réparer ce navire tout de suite. Encore perdu un dracard. Bon. Bon, ça va, il coûte pas si cher que ça dans, sur le papier. Mais bon, là on va bien entourer le tout. Bon, ça c'est bon. Les prêtres, hop. On en a 38 encore de mémoire. 39 navires de guerre. Là, je pense qu'il inclut les transports. Donc je vais refaire deux. Allez, 33 de dommages. Alors, les navires, ils subissent 34 de dommages, les galères de guerre de Wessex. Ce qui est quand même pas rien. Ouais, j'ai beaucoup de bûcherons ici. Alors, je vais embarquer 7 bûcherons que j'ai là. Et je vais établir tout de suite mon second avant-poste, mon petit château sur l'île là. Alors viens à toi. On va raser ça. Là, toi, tu vas là aussi. Allez, les gars. Nouvelle mission pour vous. 1000 pièces d'or supplémentaires. Vous serez 8 au lieu de 7. Ce qui est pas plus mal. Et je pourrais réparer mes navires aussi. Dès que possible. Hey. Ils se barrent les lâches. Déjà j'ai posé le château là sur cette... Oh, il est gonflé lui. Non mais oh.
Merci. Donc là, hop. Vous 8. Je mets un château là, ça va compter comme une hauteur. Oh, il fait du moonwalk, tiens, piqué, vous avez vu? Ouya. Vilek. Altilagi. En plus, on récupère un peu de pierre en plus. Oh, Vilek, Ren. Parfait. L'opération est un succès. Et là, on va faire tout de suite la pile. L'or déjà là. Ou deux. Oula, toi, t'as plus qu'un point de vie. T'es prioritaire à la réparation, mon vieux. Voilà, la forteresse, elle devrait tenir. Dans le doute, je vais faire mes améliorations de viking. Donc, full gear d'élite, régénération plus rapide et 10 full gear en réserve. Parfait. Oula, lui il a pris cher aussi. Je vais développer ça pour l'or. Et mon transport il va revenir. On va aller faire une razzia. Là, là, oui. Je me souviens qu'il y a un truc, un gros truc. Il y a un transport de tronc, on va le dégager. Si tous ces problèmes, j'espère que ça me tombe mal. Allez, là, c'est cette cathédrale. Qui tire là-dessus. La cathédrale vient de tomber. Six mille pièces d'or tranquille. Château, ok. Une troisième relique là. J'ai commencé à former ça. J'ai renforcé mon infanterie aussi. Et là, j'ai plus de bois. Ça va être problématique. La caserne c'est prête. Et prête, hop, tac tac. Et vous on va vous embarquer, il nous faut trouver une base et du bois. Hein. La troisième relique là elle est prête.
Je vais explorer un peu la zone. Il y a pas mal d'une bonne forêt ici, ceci dit. Ah ouais, mais va-t'on la débloquer. Putain, mais elle a fini cette forêt ou quoi? Non, le bout en Écosse, la dernière fois que j'ai voulu, ça s'était un peu mal passé, je te rappelle. Et en vrai, tu te mets là, ça pourrait passer. Sans déconner. Je vais lui refaire un transport, tiens. Rien qu'avec notre petite troupe là. Alors, oh non les gars, vous buguez pas. Hein. Parfait. On voit qu'il y a le mur d'Adrien là. Vous 10. Qui je vous mets là? On va être près du Wessex, mais bon. On va avoir 10 bûcherons qui bossent. Ouais, tu fais ta raison là-dessus. En plus, j'ai récupéré 6000 pièces d'or avec la cathédrale. Ok. Bon. Ah ouais, si je passe là, je... Ah putain, je... Attends, à moins que... J'essaie de trouver une brèche. De vous revenir là. Ah, ils ont été malins les devs. Regarde toutes les forêts qu'ils ont mis. Il y a un petit marché là. On va essayer de récupérer l'or. Ok, on récupère de l'or supplémentaire, c'est pas mal. J'ai rasé la base verte ici. Oula, il y a pas mal de porcs à aller chercher. Je vais pouvoir débarquer ma... Je vais déjà utiliser mes drakkars pour finir cette base. Je débarque mes trèbes et je commence à tataner. Bon, ils sont que 6 mégas, mais vu qu'ils sont full up et pas les Britanniques, je pense que ça pourrait passer. Voilà, très très bien. Et là, je vais le taper. Bien joué. Ok. J'ai commencé à raser ses porcs ici.
Ah, ils ont tous mes villageois ici, ok, d'accord, très sympa. J'ai récupéré un de mes transports ici. On va avancer avec notre aide. Bon. Ouais, ouais, on va en sauvegarder ce bout, on va en abuser. Attends. On va tuer les quelques villageois ici. Oh, il y a un marché, on va le trade, tiens. Oh tiens donc, ce nouveau sort, vous êtes sérieux là? Bien joué. D'où la merci forme des archers de cavalerie. On en parle de l'historicité, le mec. Alors toi, t'es dans la merde, toi, l'annonce officiellement. Là, l'idée, on enregistre. Je vais récupérer vite cette relique et on va se tirer. Hein. Attention derrière. Et j'ai l'impression que les bonus de dégâts de l'infanterie fonctionnent aussi. Hein. Allez, venez là. Rasez-moi ce château là. Et vous vous reculez, vous vous calmez. C'est pas les fifous. Ok, nous envoie du monde, mais nous on a pas les traitements pour faire ça. Reculez, les escales. Le monastère là. Ah, je suis dégueu, y a pas de relique ici. Bientôt la merci avec des éléphants. Bah. Heureusement que c'est pas une civilisation birmane ou je ne sais quoi. Bon, ça va, on fait le boulot. Où ça coince là? Ok, ça coince ici, d'accord. Bon, c'est bien. Ils ont un forum là? Ouais, on va le raser. On va toujours cette prise. On a peur de l'escarre, attention. Il bardaga.
Ok, tapez mon scavalier léger. Il y a une autre relique là-bas, ceci dit. Hein. Ouais, bah oui, il sort toute l'armée aussi. Ils sont combien là dans ça, hein. Enfin, ils ont des petits lanciers derrière, ça devrait suffire. On va juste taper cette tour et après on se casse. Hein. Moi je reste pas ici, attention. Putain. Oh non, mais allez lui faire foutre là, sérieux. Allez, bah voilà, je peux pas récupérer l'arbitre, génial. Ah, fait chier. Au stop, on repart, tant pis. On a bien progressé, mais il nous faut du monde là. Ah, je suis blasé. Je vais revendre un peu de ressources. Je vais enregistrer. Et là, on va débarquer avec plein de full gear, ça va les calmer, je pense. Donc les 6 là, c'est bon. Là, notre château a bien tenu. J'aurais pu sortir les fous de guerre, mais contre les Huskars, ça aurait fait un peu tout drôle, je pense. Allez, plus que 30 000 à aller chercher. Enfin, plus que là. On a encore un peu d'or là. J'ai réparé mon château là, donc c'était les Wessex qui nous ont attaqué. Billak, Bergmarter. Bergmarter. Réparez-moi ce château. Après, on exploitera la pierre ici. Ya. Queen. L'or puis la pierre, comme ça. Non, les paysans du bout, ils se sont fait rétamer à un moment quand j'ai pas fait gaffe. On a une trentaine de navires ici. Je vais me ramoter avec ce transport. Et là, je ramène 10 fous de guerre supplémentaires. 4 moines. Non, il y en a qui vont comprendre leur douleur. Hein. Allez. On les embarque. Je suis sûr qu'il y a moyen de leur faire très mal. Il y a des ports de la Mercy au sud. Oh là là, attention. Bon ça, il se régénère pas. Et ben, je t'attaque contre elle maintenant. Ok, tu vas m'en reformer en renfort. Quoique, attends, ils sont combien là? J'ai perdu un gars, le Huskar, ça va aller. On va monter à 14 comme ça, ils nous embêteront pas. Ouais, je suis un peu salé, Loubou, mais bon, ça me fait un peu chier, quoi. J'avais le moyen d'avoir une quatrième relique offerte, là. Ah, ça m'a saoulé, quoi.
Donc là, je vais aller chercher les ports de la Mercy, je vais tenter de raser leur flotte. Après, je trouve que c'est normal, il est cool. Hein. Les développeurs ont bien fait l'effort de... comment se dire, de bien modéliser les îles britanniques, ce qui n'était pas évident. Là, du coup, deux navires de pêche, ça c'est que c'est pour le principe. Ah, il y a une autre relique là, j'avais oublié celle-là. Oui, bah oui, t'as qu'à oublier de... Ok. On va récupérer nos troupes. Et là, on va commencer à Rox Diponier. Donc là, elle, je vais aller la chercher bientôt. Je vais laisser mes transports garder la zone. Il n'y avait pas un... De mémoire, il y avait un... Oh putain, il y a un château. Bon, c'est pas grave. On va se reculer. Alors, du scandale, tu fais pas le poids. Bon, on y va. On regroupe notre force. On va aller chercher cette relique. Alors, toi, tu m'énerves déjà. Ouais, dégage. Ouais, ouais, je les descends, Lougou. C'est le programme. Ouais, un chevalier, hein. Oh, il y a un village bleu, on va le piller aussi celui-là, tu vois. Oh, il va y avoir des bonnes cibles, là. Oh, il va y avoir des très bonnes cibles. Ah, les Anglois, là. Ah, le bout, une grande histoire aussi, eux. Bon, l'idée. Fracasser le château. Bon, déjà, vous. Toi, tu viens là, tu vas t'occuper d'eux. Toi, tu me tapes ça. Ah, je vais le convertir, là. On peut retourner les chevaliers contre eux. Tout pile. On va avoir aucune merci, aucune pitié pour Wessex. Je vais provoquer l'adversaire ici. Ça va, nos gars tendent bien, ils se régénèrent. Ah ouais, bien sûr, hein, les autres tours, sinon c'est pas drôle. Ça va, tranquille les tours, hein, l'abus. Hein. Non, il n'y a pas d'abus. Hein, Attends, bon, qui l'a récupéré, l'arlic? On va taper ici. Oh, on va me taper là-bas. Quelqu'un qui a récupéré l'arlic. Ok, on récupère encore 700 pièces d'or, c'est pas mal du tout. C'est bien, on s'approche bientôt de la moitié des sous. Ah,
Et là, on va retourner dans la mer, dans la ville principale. Là, on va la démolir. On va essayer de récupérer ces putains de reliques. Là-bas, il y a des reliques aussi, du Wessex, attention. Encore un qui tombe, allez. Ok, il n'y a plus d'or. On va commencer à terminer la pierre ici. Alors, on va voir ce qui nous attend avec le Wessex. Cathédrale. Je crois qu'on va tenter de la raser. Hein. Ça fait 6000. Hein. 200 loups. Château à la con. Allez, 6000 pièces d'or, bam. Ouais, ouais, le bout, je vais faire ça. C'est pour alors. On a plus d'or, on va faire deux. Je vais faire deux maisons supplémentaires ici. Et les dracars, bah. Tu sais quoi, je vais pas en faire 10 et je vais en faire 13, comme ça, ça me fera 50 dracars. Là, c'est bien, le château il a vite tombé. On va raser ce tour maintenant. Elle est là, la relique. Si on va chercher ça, ces reliques-là, déjà, ce serait pas mal. Allez. J'essaie d'attirer les navires là. On a bien tapé la merci. Ok, encore un moment. Oh là là, bien sûr. Alors attends, tu sais quoi? On va jouer à distance. Il joue à distance, bah nous aussi. On va retourner les navires d'incendie contre eux. Oh, les deux navires d'incendie, ça va être drôle.
On va pousser là. Viens là. Il y a encore une relique de trouver là, on va la chercher. Avec le chevalier. Très bien joué ici. Très bonne gestion. Il y a un marché à aller taper au centre. Seconde là. J'ai pas perdu un. Non. Bon, ils sont. Il est où mon autre moine? Toi qui vas me taper là. On va se reculer. Et tu viens là. Oh, nickel. On va vite le planquer avec le Huskar. Parfait, encore un château qui tombe. On va se fracasser le marché maintenant. Ça voilà, merci à ces morflés. On se retire. Les chevaliers, je vais les faire suicider, ça ne sert plus. Et par contre, on va chercher le transport. Bon, bah c'est pas mal du tout tout ça. Et si on augmentait de 10 Fluguer d'élite ici, comme ça on aura une armée assez forte. Les 6 là on va les redéployer ailleurs. Bon, les 2 là ils servent plus, on les dégage. Allez, on sort les Fluguer, tous sur le délit. Et là on va faire juste une exploitation, on va spammer les maisons comme des débilus. Et ils sont faits le bouge. Tu me fais bien me les rappeler, je les avais laissés à l'île de Man, tiens. Livre là les 13. Bon, l'armée est là. On va s'occuper d'un autre bien et on s'en va. Notre armée là, elle va bien gonfler. Ya, Villek. Ya, ya, Huin. Bothoth, Altilagi. Ya. Ho, Villek. Et juste dans le doute, je vais faire une tour en arrière, tiens. Kouchash, Mithr.
Là, je suis pas allé raser le village totalement, j'allais faire mon petit tour. Ils sont équipés à fond, hein. On rappelle nos braves fous de guerre. On va exploser cette tour. Par contre, ça y va les moines ici, hein. La vache. Là, retour à l'île de Man. Ils sont tellement pétés, ils full gear, full upgrade. Allez, c'est ça, ramenez-vous là sous les vitrins. Alors 45 49, bon, c'est pas mal du tout. On va aller faire un petit tour au sud là maintenant. Putain, comment on a nettoyé le secteur. Bon, on va laisser nos villageois dans le château en réserve. Bonjour. Il y a une relique verte ici. Ok. Et comment on va l'atteindre? Oh, il y a un faux faux là. On va déjà raser ici. Il y a un château, c'est ça? Vas-y, je peux voir comment. Oh, il y a du monde ici, d'accord, ok. Bon, c'est toujours la même mission, mais j'espère qu'elle vous plaît. Elle est incroyable. Parfait, recul. Ok, on va retenter une petite manœuvre. Je vais attendre d'être sous le forum au bon moment. Et là, allez, regardez-moi ça. Allez, 2000 pièces d'or pour nous. On débarque tout le monde. Ok, il y a encore un château là, d'accord. Non, on reste toute la ville. Pas de pitié pour eux. Bon, là c'est pas mal du tout. J'essaie de revendre un peu de ressources, tiens. Voilà, on est déjà 40 000, on va enregistrer. Il nous reste encore 10 000 à trouver.
Et moi, je pense que ça va te sentir très bon. Alors, on va partir en Irlande, tiens. Allez. Là, il y a des villes, tu comprends pas comment ça se fait qu'elles disparaissent aussi rapidement, lol. Bon, oh, encore gagné 2000 ici, tiens. Oh, une autre vie, tiens, donc. Ça me plaît tout ça. Là, le marché va vite être rasé. Là, il n'y a plus de traces des verres. Là. Ok. Ils sont 20 là. Est-ce que je vois ce qu'il y a au nord? Ils ont 5 d'armure au corps à corps et 5 d'armure au tir. Ils se régénèrent les monstres. 75 points de vie, c'est vraiment très très bien. Et je trouve que leur coup, c'est... En gros, le coup qu'ils ont, c'est un coup d'un homme d'armes, quand vous regardez les stats. Allez, allez, ils vont le pousser. Donc là, les trêves. Oh, il y a plusieurs marchés, c'est cool ça. On va se faire plaisir ici. Il y a un autre camp là-bas, on va aller le chercher aussi. Ils sont plus durs par-ci, par-là, ça commence à faire beaucoup, hein. Toi, viens là, venez là. Ouais, 5000 maintenant, donc ça monte, 7000, allez. Ok, encore une relique en plus pour nous. C'est pas mal tout ça. Et je vais rester là avec mes trèbes. Et je vais juste emmener mes mains de déposer la relique et je reviens. Et après on y repart. Ah, ils ont plus rasé ici, putain. Les bêtes de combat, mes vikings. Enfin, mes figuères. Si je veux, je pourrais faire trahison, mais non, ça serait trop long. On va pas abuser. Là, il y en a 9 qui débarquent. Et venez là, les mecs. Il faut que 5 de dégâts. Oh la vache. Moine avec chronique. On y est presque, les gars, on y est presque. Oh, ya. Villeret. Ah.
J'ai commencé à tracer vers le sud avec les dracards, déjà en avant-garde. Ok, ici c'est good. Et là, le reste de mon armée va rejoindre cette section. Ouh, il y a un autre marché là. Ouh, il y a un autre marché, ça sent très bon. Aïe. Je vais essayer de tenter. Je vais juste pousser le vis à explorer, tiens. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver quelqu'un. Il doit forcément y avoir des cathédrales en Irlande. C'est pas logique sinon. Je suis sûr qu'il y en a une. Oh! L'Europe de Cassel! Ah, on va le fumer, hein. C'est le royaume d'Irlande du Sud. On va raser cette tour d'abord. Bon, les gars, je crois qu'on va plier ce scénario, là. Il va y passer, hein, l'Europe de Cassel, je vous l'annonce. Il y a un groupe de petits là, je sais pas ce qu'il fout. Voilà. Putain, il fallait la trouver, hein. Donc on aura pété trois cathédrales, hein. Bon, la semaine on va le couler, tant pis. Et là on va faire le feu à volonté sur cette cathédrale. Allez. Allez, dites-moi que ça donne des sous. Yes! Oui, soit les As. Notre victoire est totale. C'est fait, ça a été fait, Sodan. C'est bon, il n'y a plus rien. Ah bah putain, alors tiens donc cette mission. Bienvenue à toi, Sodan. Ah ouais, ils avaient encore ça en arrière. Ah oui, c'était une base militaire ici. Ah, ils ont bien modélisé la map, hein. Alors il y avait quoi ici encore, il y avait... Donc là c'était là le Wessex. Là le Wessex aussi, on les avait amochés. Il y avait pas mal de petits camps. Marché c'est bon. Ah il y avait un château là. Pouf. J'ai bien fait de pas trop me concentrer sur ça. Une forteresse, ok, tout va bien. Contre les Stanglis étaient vraiment prenables. Hein. Il y avait encore des reliques. Hein. Ouais, bon, on a gagné cette campagne. Ouais, c'est un truc de dingue, j'avoue. Ils se sont tellement cassés le cul. Il y a une ville rasée ici, c'est cool ça. Bon. Ben. Par contre, raser 5 ennemis, je vous avoue que je m'en serais pas senti capable. Hein. Peut-être, à la limite, les 5 ennemis pour moi qu'il faudrait taper, c'est l'Est Anglie, Northumbrie, les Britanniques, Écossais et Gallois, et les deux Irlandais, les deux Royaumes d'Irlande, comme ça vous êtes tranquille. Je ne me vois pas m'attaquer au Wessex, surtout avec le spam go à l'âge impérial. Par contre, construire une mairie sur le site du palais de York. Alors, York, c'est le jaune de mémoire. Donc ça, il aurait fallu l'exploser, ok.
Ouais, ça aurait pu être marrant aussi, tu vois. Ouais, moi je trouve qu'elle est plus simple à faire les 50 cas, enfin, sur le papier. Allez, allons voir l'épilogue de cette fin de bataille historique. Bénis par Odin et Thor, les Vikings arrosèrent le sol du sang de leurs ennemis, pillant de nombreux objets et s'emparant de terres fertiles. Une odeur de fumée et de mort se dégageait, tandis que les malheureuses victimes se tournaient vers leurs autels plutôt que leurs épées. Ces anglo-saxons hautains ne firent pas le poids face aux impitoyables guerriers vikings, voulant gagner leur place à la table d'Odin. Fidèles à leurs promesses, les fils de Ragnar gravèrent l'aigle de sang dans le dos du lâche Ael en guise d'avertissement pour tous leurs opposants. Les fils de Ragnar s'installèrent dans leurs terres conquises et finirent par établir un état appelé le Danelaw. Pendant les deux siècles qui suivirent, Danois et Saxons cohabitèrent parfois en guerre, parfois en paix, jusqu'à la victoire saxonne de Stamford Bridge contre les Nordiques en 1066, qui marqua la fin de l'invasion viking en Angleterre.